vidéo. On va dire une petite vidéo de la semaine, hein, parce que voilà, c'est le week-end et comme tous les week-ends, je vais essayer de faire une vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu spéciale, hein, parce que regardez, on n'est pas en jeu, donc ce sera pas une vidéo tuto. Hein. Donc, ah non, ça sera pas non plus une vidéo Black Ops, mais comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, ça sera une vidéo découverte. Mais dans le titre, j'ai pas mis quel nom ça sera. Voilà, je vous mets une suspense sur le jeu que je n'y ai jamais joué au jeu. Hein, donc, de toute façon, vous allez voir dans quelques instants. Attention, attention, attention. Mystère. Vous êtes en train de vous demander quel jeu ça peut être. Hein. Lecture. C'est un jeu que depuis très longtemps je veux avoir, mais que financièrement j'en ai pas les moyens. Excusez-moi les petits bruits. Et là, en détail du jeu, mais rien ne s'affiche. Reach. Donc voilà, je me suis procuré Halo Reach ce midi, hein, parce que comme je disais, j'ai joué au 3, mais c'était au tout début de la Xbox et j'ai dû faire une vingtaine de parties en multijoueur et. Excusez-moi, j'ai terminé la campagne, mais là, franchement, quand j'ai vu Halo Reach à 20 € j'ai craqué quoi. Attention, vous êtes prêts. C'est parti. Donc là, en fait, on va faire juste découverte donc, de Halo Reach, hein, parce que j'ai joué à Halo 1, Halo 2 sur Xbox, première du nom, puis à Halo 3 sur 360. Mais j'ai jamais joué à Halo Reach et le multijoueur de Halo, je ne le connais pas énormément. Attendez, juste augmenter un peu le son pour moi. Je suis assez content qu'en plus, à la fin du week-end, j'ai été chercher des petites provisions au supermarché, donc des bonbons et du Coca-Cola. Donc, je connais le truc parce que j'ai déjà fait la démo. J'ai même déjà fait pas mal de fois. C'est vrai que franchement, graphiquement, c'est beau. Ça, sur ça, y a rien à dire. Bienvenue à un sportant et c'est une équipe noble. Je suis un homme! Ah ouais, non, excellent. Ah c'est par contre dans la démo, y'a pas. Donc on peut voir... customiser son personnage, donc... 1 minute, bon, je vais juste voir avec vous un peu le début. Hein. Il est beau lui. C'est bon, c'est un truc Star Wars. On va essayer de le customiser. Ah lui, il est beau lui. Je vais prendre lui, parce que j'aime bien. Ah, faut les acheter en plus. Oh l'arnaque. Bon, je sais pas. Voix va t'aimer. Oh, c'est naze. Donc on peut aussi modifier les emblèmes. Hein, donc, bon, bref. Ah non, mais je vais laisser sur une base. On va mettre ça. Quitter. Jackpot le week-end de Nantes. Maintenant, jusqu'à dimanche soir jouer, terminer à Team SWAT. On va avoir une chance de gagner une fois par jour un super jackpot de 15 000 crédits. Voilà, la chance. C'est parti. Donc comme vous pouvez voir, la campagne, commencer campagne solo. Hein, donc, je pense que c'est vraiment beau quoi. On va faire du matchmaking, hein, donc on va commencer le début. Non, j'ai pas de sous. Donc Team Slayer, si je me rappelle bien, c'est du match à mort, je pense. Je suis pas sûr. Je suis totalement ouvert, comme je dis, Halo 3, ça va faire quasiment un an que j'y ai pas joué et je suis un peu perdu. Par contre, c'est vraiment très beau le menu. Excusez-moi. Je vais essayer peut-être de faire une petite vidéo Black Ops en ligne, hein, parce que depuis que j'ai fait des vidéos en différé, franchement, je fais que de ça. Donc. Par contre, mon écran il est mal réglé, ça se voit. Enfin, pour vous, il est bien réglé, mais pour moi, vu que j'ai une télé cathodique, c'est pas bien réglé. Ah, oh, c'est beau, ouais. Là, ils ont vraiment des bonhommes assez bizarres. Je me sens un peu seul, niveau 1. Celle-là, elle a l'air bien comme map, moi je vote, parce que l'image a l'air sympathique. Oui. Donc si je voulais peut-être faire une vidéo, peut-être une future vidéo sur Halo Reach. Peut-être soit une mission de campagne en coopération, soit une vidéo multijoueur avec mon très cher copain Matt76, hein, que vous avez pu voir dans différentes vidéos. Donc lui aussi, il va se procurer Halo Reach. Donc normalement mercredi prochain, donc peut-être la semaine prochaine, la future vidéo sera peut-être avec Matt. Donc voilà, ça sera la surprise. Militer là-dessus. J'ai failli tomber, me faire tomber au Coca-Cola. Donc là c'est parti. Hein. Donc début de la partie. Je connais aucune map, donc c'est vraiment du début découvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Camouflage actif. Ah d'accord, on peut même pas choisir.
ça on se fait toujours avoir dans tous les jeux, mais bon. Donc je connais un petit peu les touches, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait la campagne. Je vais mourir. Non, ah oui, on a pas. Même coup de poing. Ah, donc ah oui, on peut sprinter. Ah oui, d'accord. Donc les touches sont différentes, hein, par rapport à. Pourquoi il est en rafale maintenant? L'arnaque. On va mettre Carapace, parce que Carapace il a l'air bien. Ah, ok, donc. Ah oui, non, mais je viens de comprendre. Vous êtes leader. Le fin mot de l'histoire, LB. Donc LB, ça active votre capacité spéciale. Je galère, donc la map elle a l'air quand même assez petite, hein, assez ronde, hein, vite fait le tour. Enfin, je dis ça, de toute façon, elle est peut-être immense avec un. Par contre, dans Halo Reach, les balles sont plus. Enfin, lui je vais le niquer. Protection, ça je sais pas à quoi ça va servir. C'est vraiment de la. Alors, si le mec il croit que je l'ai pas vu. Ouh, s'ils croient que je les ai pas vus là. Tue-le, bordel! Ouah, j'ai tué un AFK! Ouf, alors ça c'était pas du PGM de tuer un AFK. Enfin, mon premier kill sur Halo c'est un AFK. Non, donc elle est quand même relativement grande avec. Excusez-moi, je. Alors c'est vraiment. Faut vraiment y avoir beaucoup de balles hein, dans ce jeu. Je me rappelle plus déjà le truc des grenades, donc ça va peut-être me revenir un jour. Ça, je pense que c'est un booster. Excusez-moi pour le bruit du micro. Ah bah, je me suis fait niquer. Oh mon dieu! Comment je suis mort? Je vais reprendre le sprint, je préfère le sprint. Mais aussi, ils sont tous sur moi. Pas juste ça. C'est un peu dur, hein. Je sais pas si. Regardez les balles, regardez les balles. J'ai l'impression que j'ai moins de vie qu'eux, je sais pas. J'aime bien comment les gens ils lancent leurs grenades. Ah, le mec en a tué deux à la chance. Oh, c'est bien ça. J'aime bien cette arme là. Oh, comment je l'ai feinté. Oui, s'il vous plaît, si quelqu'un pourrait m'aider sur cette chose. Ouf, voilà la chance. Donc je pense que là où j'étais, fallait pas y aller. Ouh, comment je l'ai attendu. Enfin, pas j'ai pas attendu, mais... Vol de fringues. J'ai un nid. C'est eux qui m'ont volé mon fringue. Qui me tire dessus. Ah, c'est un peu dur à... Juste que je me réhabitue un peu avec les bases, vous allez voir, je vais quand même m'améliorer, parce que franchement si j'adore. C'est un peu dur au début, mais en même temps, je crois que je me suis camouflé, mais je suis pas sûr. Ah oui, je me suis, ah oui, on peut se, ah. Oh. Donc là maintenant je sais comment faire pour retourner au champ de bataille, et je vais me camoufler, puis lui je vais le prendre en embuscade, regardez. Double frag. Tous les points rouges sur le radar, je sais pas si vous pouvez voir, mais. Oh la chance, il a le sabre. Non, j'aimerais bien l'avoir le sabre. Je sais pas si on peut. Je sais pas si ça s'achète ou comme ça. Donc, la gâchette à la place de. Ouh, lui, il a une grosse arme, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ah, même ça me plaisait pas. C'est de la triche. C'est que je suis en train de remarquer, c'est que j'ai fait 3 kills, c'était 3 AFK. Mais non.
Oh, mais ah, donc il faut mettre deux coups de crosse pour tuer un ennemi. Je ne m'en souvenais plus. Je croyais que les coups de crosse one-shotaient comme dans Call of Duty. Donc j'ai un ami qui m'a dit que le baptême du feu fallait que j'essaye puisque c'était excellent. Donc, moi j'en ai aucune idée. C'est quoi son arme bizarre là? LED. En plus c'est bien, on vole mes frags, c'est vraiment pas gentil. Ouh, lui comment je l'ai rétamé par terre. Ouh, comment je vais voler son frag. Donc il paraît que le petit gun il est vraiment méchant, après c'est à tester. Mais je sais pas, parce que normalement il y avait d'autres armes secondaires. Enfin, si je me rappelle bien, sur Halo 3 il y avait d'autres armes secondaires. Queen. Oh oui! Oh oui! Oh, je suis content. Oh, j'adore. Oh, j'adore cette arme. C'est le truc que je me rappelle d'Halo que j'avais adoré. À la mode Star Wars, je suis ton père. J'ai juste aucune idée d'où sont les ennemis, donc hein. Purée de merde, Crotbeak. Ah, oh, bon, on a perdu. On peut pas voir les scores là-dedans. Non, bon, tant pis. Je vais bien voir. Je veux voir les scores. Bah, non, on a 50, ils ont 27, c'est nous qui avons gagné. Non, c'est. Oui, on a gagné. Oh, c'est beau. Oh, je suis niveau 1, la chance. Je suis en bonhomme tout bleu. Stat partie précédente. Ah, donc. Donc, dans ce jeu, on peut pas voir le nombre de kills qu'on a fait. Ah, donc il y a peut-être pas de ratio. Oui, je veux quitter. 13 minutes. Ah, mince, sinon j'aurais fait un baptême du feu rapidement. Ah, c'est pas la campagne. Ah, bah oui, bah c'est la. Non. Ah non, moi je croyais que c'était la campagne, moi je sais pas où. Donc bah voilà, bah sur ce, c'était une petite vidéo découverte hein, de Halo Reach qui est franchement excellent. Enfin, moi il me déçoit pas du tout. Franchement, je vais le regarder. Enfin, non, je vais énormément y jouer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. J'essaierai d'en faire une dans le week-end, mais je vous promets vraiment rien. Bah sur ce, passez une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre cette vidéo en favori pour me faire connaître. Ça me fera plaisir à moi. Puis voilà. Oh, c'est beau. Nombre de joueurs, c'est. Oh putain, je suis en train de découvrir des trucs en même temps, moi.